Alors tout le monde, voici Champion MMCA. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Avec la série Comment bien débuter à Minecraft. La série avec quelques. On voit les bases de Minecraft. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis ici, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a un champ. Je vais répondre à cette question-là. Tout simplement parce que j'ai fait deux vidéos complets. Quand j'ai deux vidéos complètes, ouais. Hors caméra, on va dire. J'ai tué un Enderman, puis j'ai reçu une perle. Première Enderman, première perle. Yeah. Mais je suis pas chanceux avec les creepers, par contre. Vraiment pas chanceux. C'est une malédiction, quasiment. Ou je sais pas. J'ai fait explorer un peu la grotte. Un donjon à zombies. C'est pas tout. Et un donjon à araignées. Oui. Deux donjons, un à côté de l'autre. J'avais jamais vu ça honnêtement avant aujourd'hui. Mais c'est bien. Comment ça, ça pop? Il n'y a pas cette torche. C'est à peu près ça. Il y a sûrement bien des affaires qui se cachent dans ces grottes. Je suis sûr et certain. À 100%, mais on n'est pas là pour ça par contre. Ça a l'air d'une belle grotte. Honnêtement. Puis dans ces donjons, j'ai trouvé deux disques de musique, puis des os, une selle, deux étiquettes. Tu vas me servir là, je sais pas trop quoi. Deux sauts. Un livre enchanté, à pas un. Bon, c'est toujours ça. C'est ça. Je vais prendre un saut. Et je vais prendre de l'eau. On sait jamais quand on en a de besoin. C'est vraiment il buggé Minecraft en ce moment. Il y a des chiens là-bas, je suis même pas capable de pouvoir. Je suis même pas capable. Il y a un araignée qui a spawné. Je suis même pas capable de pouvoir avoir un chien. Parce que où je donne à manger, il monte le cœur, pis c'est tout! Il y a sûrement un bug ou quoi que ce soit, je peux rien faire. Absolument pas. Ce qui est dommage, honnêtement. Ce qui est très dommage. Donc on va aller tuer cette araignée là en bas. Je vais vous montrer comment faire trois outils. Aujourd'hui. Il n'y a pas l'ail qui m'a fait le saut. Ouh. Elle m'a vraiment fait le saut, cette araignée-là. Je savais qu'il y avait une araignée-là, mais il m'a quand même fait le saut. Ça se pond un peu, mais c'est pas si pire que ça. On va tout aménager le terrain au grand complet pour faire une usine. Ça se pend quand même. Je cherche l'araignée. Faut le l'anéantir. Ok, il est là l'araignée. Avec un zombie en bas. Moi je vais remonter. Voilà. Ça c'est correct. Je vais remonter. Cette pioche est en train d'être épuisée, je vais la laisser là.
Je vais en refaire un autre à un moment donné. J'ai plus de four. C'est le dernier creeper. C'est un creeper qui me détruit mon four. J'en ai tellement eu que je suis assez capable. Je suis capable de faire un lit. Donc, on fait 3 planches de même. On veut pas un demi-bloc, mais bien un lit. On fait ça, une rangée de 3 là, de bois pour faire la base. Et on continue avec une laine pour faire un lit blanc. Ouais, avec la nouveauté de la 1.12, maintenant, faut mettre 3 de la même couleur. Regret réalité faite de beau rêve. Ah, enfin. Comme ça, on va pouvoir ne pas être obligé de voir la pluie tout le temps. Regardez les vaches, comme ça, je vais faire de l'élevage. De vaches. L'élevage de poules. Vraiment, le donjon, là. Ça va être utile. Très utile. On va aller chercher du fer. Ouais. Moi qui est en train de manquer de nourriture. Ce que je parlais, il pleut tout le temps. C'est incroyable. Quand il pleut. Je vais aller me recoucher. Parce que ça ne tombe pas de entendre ça pour ça, etc. Il pleut tout le temps. Je vous dis, il pleut tout le temps. On a le droit de dormir lors de plus d'orage. Ce qui est formidable et parfait comme ça. Est-ce qu'il y a du fer? Ouais, ça me semblait avoir vu du fer là. Je vais vous montrer 3 outils que l'on va faire, dont une pelle. Donc, je vais pas faire parce que j'en ai pas besoin, mais je vais vous montrer comment faire une pelle, une hache et une houe. Sachez que la hache, on s'en doute un peu, c'est le bois. La pelle, c'est pour du sable. Tout ce qui est soumis à la gravité. Et la terre aussi. Le houe, ça sert à labourer la terre. Il y a-tu du fer? Du charbon? Ce charbon, il y en a en masse. Juste pour égaliser ça, je veux faire ça. Parce que le charbon, il y en a en masse. Oh non, petit zombie! Non! Laisse là-bas, toi. D'autres fer. Le sérieux. Où je vois là-bas, petit zombie? Je ne veux pas que tu viennes ici. Non. Je reste là-bas. Le squelette. Je pense que je m'aventurerai pas plus loin pour l'instant. Pour l'instant. Petit zombie. Ça brûle pas si facilement. En plus. Bon, moi j'ai du fer. Ouais, mon autre fer. Voilà. Je sais que j'avais d'autres fer. Je savais. C'est pas comme si je savais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai besoin de 6 charbons. Voilà. Ah, j'avais du charbon là en plus. Pas plus grave que ça. C'est
pas perdu de toute façon le charbon. Pas du tout. En vrai, il en faut. Youhou. On peut rester coincé là encore. Parce que oui, il y a une grotte en dessous de là. Juste là. Sûrement connecté à ma grotte, sûrement. On va pas bûcher de bois parce que. Ouf, j'ai peur. Parfois, je pense que j'allais bûcher du bois. J'ai une hache. Ouais, j'ai ma hache là. On va aller bûcher un peu du bois. Je vais prendre des pousses de chêne. Voilà. Ah, il y a un arbre là. Ça donne bien. Bon, après ça, là, je vais vous montrer comment. Parfait. Sachez que les pousses de d'arbres peuvent être aussi utilisées comme combustible, mais ça en prend plus pour un item. Ça, je vous dis tout de suite. Bon, on a presque. On en a pas mal de. D'œuf. Bon, commençons à faire quelques crafts. Est-ce que j'ai des bâtons? Oui, 8 bâtons. On se souvient comment faire une épée. Un bâton là. Un bâton là. Et on fait la fonte de l'épée, la lame. Tout simplement. Ça c'est. Ok, c'est clic droit. Oh, ok. Pour faire une pelle, on fait le manche, puis c'est comme ceci. Tout simplement. Ça c'est le manche, ça c'est la pelle. Pour faire une hache, vous faites ceci. Peu importe le sens que peu importe le sens, ça ne dérange pas. Pour la pioche, on se rappelle que c'est comme ceci. Et maintenant pour la houe, vous enlevez et voilà. C'est si simple que ça. Je vais vous montrer quand même, vu que j'ai pas fait le saut de coup, je vais vous montrer quand même comment faire le saut. Le saut c'est simple. On fait la fonte du saut et voilà. Tout simplement. Puis si j'en enlève un, on fait des cisailles pour la laine. On peut prendre des lianes, on peut prendre des feuilles, tout à fait même. On a vu quand même pas mal de craft, mais ça, la laine, c'est pour avec les moutons, puis on en a pas vu. Alors, on peut pas faire de. Cultiver la laine. C'est à peu près ça. On aurait une cavité qui avait. Naturelle. Extérieur, pas profonde pantoute. Qui est débouché par un trou, une grotte. Ça aurait pu être à l'intérieur, sous terre, en gros. Mais qui n'est pas sous terre. Qui est parfait. Bon, je vais prendre ceci. Ah oui, j'ai pris un écho d'or. J'ai pogné les goudards. J'ai de la restone qui va être très pratique. On va voir un autre craft tout de suite. Voilà, des barrières.
À quoi servent les barrières? On en fait plus. Je vais aller même bûcher du bois pour ça. Les barrières, tout simplement, ça sert à ça. Hey, c'est vrai, j'ai du boulot. Est-ce que je peux l'utiliser aussi? Fais un test. Il faut que ça soit de la même couleur. Ou ça ne tombe pas dans du boulot, tiens. On va en faire un. On va tout faire, je pense que c'est ça, c'est pas grave. Bien évidemment, il faut encore du bois. Des bâtons. Puis en faut 6. Je vais prendre une chance. Il y a un arbre là. Je vais prendre une chance quand même. Même si la nuit est en train de venir. Je vais bûcher au moins un autre arbre au moins. Voilà. Allons se coucher maintenant. Bon, on est le matin. J'ai décidé de continuer ceci. Tu veux rentrer tout de suite? Hein? Tu veux rentrer tout de suite? Ne rentre pas, hein? C'est pour vous, hein? C'est pour vous enfermer, hein? Hein? Oui, c'est pour vous enfermer. Il en manque deux. Du moins un. Si je fais ça. Ok, j'en fais un autre. Pas le choix. Parfait. Je sais que vous vous dites sûrement, j'ai pas bien fait mon compte. Mais je vous dis que oui, j'ai bien fait mon compte parce que nous allons voir une autre craft. Une autre craft, wow. Un autre craft. Ça, par contre, j'ai besoin de ceci. Voilà. Une porte de clôture. Là, on a fait des barrières. Là, c'est une porte de clôture. Hein? Du blé. Faudrait peut-être que j'aille planter ça. Voilà. Faudrait peut-être que j'aille planter des graines. Ouais, j'en ai 38. Avec ça, c'est une ouf. On est dans le coffre. Ou on me l'a fait exploser. Hein? On va faire là-haut? Je pensais pas que je l'aurais refaite là. Ouh, mais voilà. On se rappelle, le manche plus ça, c'est la différence, c'est que moi je le prends pour vrai. Bon, je vais faire un tout petit peu de place en mangeant ce pain. Sachez que les poules sont tirées par les graines. Quand vous faites ça, les poules vont venir. Là, j'en ai 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'en ai. Bon, il va m'en rester 2 graines à trouver. Parce que ça vient de 36, comme que j'ai compté. Je vais faire tout le tour de la source d'eau. Oh, il me reste juste une graine. Oh. Trois graines maintenant.
deux graines, une graine. Parfait. Bon, les zombies prêtes. Sachez qu'on peut sachez qu'on peut lancer les œufs puis que et pouvoir avoir des poussins. Et oui, c'est possible d'avoir des poussins avec des œufs. Une chance sur je sais pas combien. Puis une chance sur je sais pas combien aussi dans cette. Je l'avais même pas vu plus. Une chance sur je sais pas combien aussi pour avoir plus qu'un poussin. Parce que c'est possible d'avoir plus d'un poussin. On va tuer toutes les poules. À un moment donné, je vais faire un système un peu plus automatisé, plein de d'entonnoirs. Plein. Je vous dis. Mais là, pour l'instant, non. Je veux tout ça. Vous voyez? Deux, ça m'aurait suffi. Bien évidemment, il fallait absolument que la torche se mette à terre, comme d'habitude. Ça se mettre d'un coup. C'est fatigant ça, surtout quand on mange. Je mange, je fais ça, je vois. Et voilà, tu me perds ta torche. Faut te le remettre à chaque fois. Ça se fatigant. On est de retour. Là, le champ avance bien, honnêtement. Même très bien. Je suis déjà rendu là. Il me reste juste à raccorder ça. Psif. Le champ est complet. Ouais, c'est le fun ça. Bon, avec ça, je peux faire même bien du pain. Ça, c'est le fun. Voilà. 14 pains. C'est très bien ça. Ça, c'est le fun. On va aller explorer un peu la grotte. Oui, explorons un peu cette grotte. Au péril de notre vie et de perdre, bien évidemment, tout ce bon fer. Hein, je sais plus. Bon, c'est correct. Pas plus grave que ça. Je vais vous faire une nouvelle technique. Oui, vous savez, si je pèse dessus, ça va ouvrir le coffre, même avec un autre coffre. Pour pouvoir placer, exemple, même affaire ici, si tu veux placer un objet là, vous ne pouvez pas. Même affaire là. Pour pouvoir poser un bloc, il faut vous accroupir. Pour moi, c'est Q, parce que c'est juste à côté d'avancer, quand même. Mais pour certains, sinon c'est Shift. Moi, c'est Q. Comme ça, vous mettez ça. Et voilà, seulement quand vous êtes accroupi que vous pouvez mettre des objets que en temps normal ça roule ou ça on fait le quoi. Ça c'est ça, c'est moi je trouve que c'est mieux que comme ça top si tu mélanges puis tu payes sur Q, t'as pas à perdre tes objets. Honnêtement, ce qui est très pratique. Mettons un épée ou une pioche en diamant, peu importe. Tu peux accidentellement sur Q, tu perds tout. Tandis que là, moi, je perds pas rien. Je fais juste me mettre en. Je fais juste me mettre tout simplement. Accroupi. Au lieu d'aller comme ça, je vais faire ça. Puis ça va être même super. C'est mieux parce que je me protège en même temps. Oups, lag. Ah, d'autres phares. Pour dropper un objet, exemple, oups,
Je le fais exprès quand même. C'est Z pour moi. Comme ça, il y a moins de chances que. Oh. Que ce soit. Comme ça, il y a moins de chances que. Que je perds mes affaires. Bon, puis du précieux. De la précieuse ressource. Dont le diamant. Ah! La malédiction des creepers. Pas un, deux creepers. Non! Non! Yes! Oh! Oh, ouais. Ça m'a fait découvrir ceci. Qui me revient tout simplement à la même place que j'étais? Ou quoi? Non, mais un creeper là-bas. Par contre, puis j'entends de la lave par là. Intéressant. Un zombie. Il me fait quand même découvrir une affaire, un creeper là. Il est bien. Hein, du fer. Et à chaque fois que je tourne ça, à chaque fois que ce soit une ratée ou non, il y a toujours un creeper qui explose. Ouais, toujours. Sans exception. Comme ça, je vais pouvoir monter de deux façons. Confirmant, c'est pas la même grotte. Non, c'est pas la même que j'ai vu. Similaire, mais pas pantoute pareil. Du fer là. Il n'y en avait pas un, ni deux. Trois creepers dans le coin. Encore pire. Au moins, c'est pas un donjon creeper. Ça aurait été l'enfer. Ça aurait tellement été l'enfer, un donjon qui te creeper. J'aurais même pas voulu tenter de prendre le donjon, je sais pas. Si y a des zombies ou araignées, je les tue tout de suite. Probablement c'est ça qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'autres mobs qui spawnent, d'autres araignées. Okay, ça c'est très bien. Va faire de même. On sait jamais. C'est pour ça. Quand c'est trop petit. Ça serait logique. Ça prendrait de l'espace pour faire spawner ça. Un squelette pis un creeper. Je pense que je vais sortir de cette. Je vais sortir de cette tout de suite. Trop dangereux. Si mon point de spawn est rendu ici, c'est trop dangereux. Ouais, déjà tout pour aujourd'hui. On a vu quand même quelques petites affaires. On a vu
On a revu comment faire une pioche, on a vu comment faire une pelle, on a vu comment faire une hache, une houe, on a vu quelques subtilités d'empilement de coffres, on a pu voir le donjon et la malédiction du creeper qui est trop présent. Pourquoi pas le creeper? À chaque fois, il y a un creeper qui explose dans cette série-là. Mon dieu. Déjà prêt, celui-là. Eh ben. Yeah! On a vu comment faire des barrières, puis... Defense gate. Une barrière puis une porte pour la barrière. On a pu faire ça. On a pu voir ça, on a commencé à faire le champ. On a poursuivi le champ. Commencez, faut dire vite. Avec déjà du blé de près. Hein? Le blé de près. J'ai 6. On va attendre un autre. À un moment donné. Voilà. C'est ça. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter. Et aussi, aller visiter mon site internet. Dont le lien est sur la bannière de ma chaîne. Puis on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dont je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas trop. Mais on va voir ce que nous allons faire. J'aimerais peut-être ça faire une combinaisons de comment dire ça, d'outils. Donc vous allez comprendre qu'est-ce que je faisais par là. Il veut ça. T'as vu ça? Je dois avoir absolument rien. J'ai toujours des bruits étranges. C'est dans Minecraft, dont vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Parce que j'aurais désactivé le son. Parce qu'il y a toujours du décalage audio, en gros. Il rassemble tout l'audio en un. Puis il n'y a pas d'espace entre. En gros, c'est le défaut de mon logiciel de montage. Un creeper. Non, j'y veux vraiment pas. Ça a l'air d'une belle grotte, mais non. Pas pour aujourd'hui. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment bien commencer à Minecraft, la série à laquelle que on voit les bases de Minecraft. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. À l'heure des poules, l'heure des foules.